Voilà, début d'une semaine sans voiture. Je vais emmener les enfants à l'école et ensuite je vais au travail. Même avec la pluie, parce qu'ils annoncent la pluie pour ce soir. Là, on est sur la piste cyclable. On vérifie qu'il n'y a pas de vélo. Ouais, on va traverser parce que... Traverse. On essaye que les gens changent le comportement au niveau de la mobilité. Alors aussi bien l'utilisation des transports en commun que l'utilisation des modes doux, que sont soit le vélo, soit également par rapport à nos élèves, les pédibus. Bonne journée. Bonne journée. Ensuite, travaillez bien. Antoine, tu es bien sage à l'école. Je pense que le premier déclic, c'était un souci d'économie. Et c'est devenu une habitude. Et maintenant, c'est devenu un besoin. C'est la punition si je dois y aller en voiture. Quand on recommande de faire l'équivalent d'une heure de marche à pas normal pendant une heure, moi, j'ai déjà fait 20 minutes de vélo et je le fais tous les jours. Je suis quand même pas trop loin du travail, hein, je suis à 5 km. Donc ça fait 10 km par jour. Et j'imagine qu'il faut quasiment deux pleins par mois. Un plein sur ma voiture, moi j'ai une grosse voiture, c'est 80 euros. Hein, donc ça fait 160 euros par mois. J'utilise la trottinette pour aller à l'école, aller au tennis et aller au cours de trompette. Pour aller au solfège, pour aller au piano et... Normalement c'est bon, mais des fois je la prends pour aller à l'école. Enfin, pour eux, c'est moins rébarbatif que de marcher à pied. D'abord, c'est plus rapide et puis c'est plus original. Les copains en ont aussi, c'est très à la mode. Donc, Bastien va souvent très vite devant. Pas d'essence, pas de ticket de bus. Alors, le gros avantage, c'est que ça coûte rien. Nous allons aller chercher notre livraison hebdomadaire de légumes apportée par un producteur qui se trouve près du lac des Sapins. Il est un peu bas pour moi. Pommes de terre, carottes, radis. Et des poireaux. Crac. Oh, y a quoi, un petit quart d'heure à pied. Regarde Léa ce qu'elle est en train de faire avec ta trottinette. Parce que Léa, elle va partir au cirque. Elle a sa séance de cirque. Il va falloir qu'elle parte et qu'elle traverse tout Saint-Priest pour aller au cirque. À trottinette. Dans notre agenda 21, on a 5 fiches actions dont les référents sont des habitants. Et il y a donc celle-là sur les pistes cyclables, qui est une des fiches actions qui, on va dire, roule le mieux, hein, puisque c'est du vélo. Et ils ont fait une piste de la cyclabilité sur la ville. Il y a beaucoup de pistes. J'ai pratiquement pas de voies sans piste, à part dans le quartier où c'est relativement tranquille. Donc, pas de problème de ce côté-là. Je le fais 4 fois par jour, le trajet, matin, midi et soir. De nuit, puisque je commence de bonne heure le matin. Et puis par tous les temps, sauf vraiment quand il pleut beaucoup. Bah. On n'est pas toujours fidèle au vélo. le vélo, ça apporte déjà le bien-être, parce que je le pratique également en sportif, en cyclo. Et puis des économies, parce que l'air de rien, mes trajets représentent environ 2000 km par an, hein, juste pour venir au travail. Donc à la fin de l'année, j'ai jamais compté, mais ça doit faire une bonne somme d'argent. Allez ma grosse, on va aller se promener. Hein ? Allez, viens. Pour promener la chienne, je fais 2 trajets par semaine de Revaison jusqu'au plan d'eau. Là. Allez, on va se promener. On y va. Allez. À ta place. Quand il fait pas beau, je prends quand même la voiture. Allez, fini là. J'ai un périmètre où je fais à pied, puis après, quand je m'éloigne un peu, je prends le vélo. Sauf pour aller à Lyon, où je prends le métro. Il y a donc 4 packs de lait, donc 4 faciles, ça fait 24 kg, plus peut-être 2 kg, 26 kg. Avec les yaourts. J'ai eu porté jusqu'à 40 kg dessus. Alors, ce qu'il faut penser, c'est à l'équilibrer, hein. Régulièrement, ça m'arrive pour les courses de dépannage, hein, quand il n'y a pas trop à prendre.
J'ai opté d'abord pour un masque de ski, ce qui n'est pas très adapté quand c'est l'été, hein, parce qu'on a très chaud dessous. Donc là, c'est un casque de Müller. Ça a l'avantage de ne pas exposer les yeux aux poussières, à la pollution. Hein, c'est que mine de rien, la pollution, elle peut faire mal aux yeux. Et également, en temps de pluie, ça évite d'avoir les gouttes en plein dans les yeux. C'est dans l'esprit... On appelle ça l'empreinte carbone. J'essaye d'avoir des produits qui sont faits dans la région. Un plateau de salade, s'il vous plaît. Nous avons choisi de vivre à Saint-Priest, car c'était beaucoup plus pratique que de prendre la voiture. Ça voulait dire embouteillage et un temps de trajet rallongé. Et donc ça, c'était vraiment un choix pour avoir une vie de famille et pouvoir concilier vie professionnelle et vie familiale. Saint-Priest. L'avenir est à l'Est.